reborn. Chaos reborn. Jerry! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Ce que j'ai vu, hein, que j'aimerais partager avec vous. Waouh, c'est calme! C'est la fin du monde! Les gens sont fatigués contre le pasteur parce qu'il bloque les femmes chez lui à 23h. Aïe aïe aïe! Du coup, ils se sont réunis pour aller lui faire une bonne surprise. Et la surprise a été de démolir tout de l'église. Comme au bon vieux temps! Comme si c'était Jésus! Hein? Quand j'ai vu ça, je me suis dit chi. Là, les gens ont fait fort. Les gens ont fait fort. Et ces gens-là disent que, ah, le pasteur, il retient nos femmes chez lui. Et là, il demande à nos femmes de dormir à l'église alors que nous sommes à la maison où sont passées nos femmes. Hey, qu'est-ce qu'il fait à nos femmes là-bas? Ça va aller. Et c'est ce que nous allons voir ici. Si ça n'a pas été filmé, faut ne le vraiment pas courir, mes frères et sœurs. Ne faites pas ça chez vous. Ok, alors si je peux voir ça. Prenez votre natte et asseyez-vous à terre. Maintenant, regardez. Tout se passe ici, Est-ce que vous voyez ça? Allez, regardez bien. Waouh! Une chose dangereuse se passe ici. Sur quoi? Sur l'écran. Juste là devant vous. Sous vos yeux. Et vous n'avez rien fait. Hey, Seigneur. Regardez comme ils sont de tirer la femme là. Ils sont pour lui dire, viens, allons à la maison. Toujours à l'église. Qu'est-ce que je vois pas toi? Allons à la maison maintenant. Regardez. Oh. Même Yosu Bon est étonné. Tiens. Et vous allez voir ça. Regardez. Ces gens-là sont ici. Et ces gens-là ont un mot à nous dire. Ils ont beaucoup de choses même à nous dire. Mais d'abord, regardez ce qu'ils ont fait. Démolir l'église du monsieur. Juste comme ça. Hein? Est-ce que vous vous en rendez compte? Qu'est-ce qu'ils ont à dire pour se défendre? Nous allons écouter un parmi ces gens. Écoutez. Il dit que son enfant doit dans l'église. Donc cette affaire-là même fait que souvent eux-mêmes leurs enfants dorment à l'église là-bas. Hein? Donc la maman doit à l'église, à mettre leur enfant aussi dorme à l'église. Mais si ça se passe ainsi et que vous avez un problème avec ça, pourquoi aller démolir l'église du monsieur? Qu'est-ce que ça va arranger dans ça? Ou bien? Qu'est-ce que ça va arranger dans ça? Quel esprit s'est passé ce jour-là? Parce que moi, je ne comprends pas. Ça m'étonne quand même. Ah! Regardez d'abord. Et il nous montre la natte, regarde la natte. Ah.
il tue sa femme. Il tue sa femme, il tue sa femme. Il est allé à la maison. Il tue sa femme, alors à la maison. Quoi le problème? C'est pas l'église, on va souvent pour prier. On va chez Dieu. On dit, oh Dieu, c'est comment? Regarde-moi, je suis ici, je te cherche. Faut me regarder bien. Je suis ton fils, je suis ton fils. Hey! Mon Dieu, le gars, il va prendre sa femme là-bas. Il a dit pour l'amener à la maison. Parce que sa femme, tout le temps, elle va dormir à l'église. Qu'est-ce qui se passe avec elle, sa femme et son père, et le pasteur? C'est ça qui l'inquiète. Moi, je pense que c'est ça qui l'inquiète. Hein? Attends, donc chaque 23 heures, elle va quitter la maison pour aller à l'église. Chaque 23 heures. Donc, elle va laisser son mari à la maison tranquille. Pendant que lui. Pendant qu'elle est à l'église, le pasteur, parce que c'est ce qui se passe là-bas, les gens disent qu'ils prient. Ils sont des faits communaux, ils sont des prières à le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, tu es joli. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le monsieur a vu clair dans ça. Il dit, il n'y a pas à attendre. Quand le péché va naître, tout quand ma femme sera enceinte, pour aller la chercher. Donc, je vais aller la chercher tranquillement. Mais moi, il y a un problème avec ces gens. Regardez d'abord ça. Il y a un problème avec eux. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, il y a un problème avec vous. Quel est le problème avec vous? Qu'est-ce qui n'est pas avec vous? Si tu trouves que ta femme doit tout à l'église et que tu es fâché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui parles un peu? Si elle n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler au passé tranquillement, sans la bagarre. Mais... venir casser ces choses comme ça à l'église, comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Ma femme va te dire, moi, je connais un gars. Sa femme, un jour, je l'ai trouvé quelque part. Il dit, mais ah, toi, je ne te vois pas. Hein? Je ne te vois pas dans une telle église. Elle dit, oh, c'est mon mari. C'est mon mari qui ne veut pas. Donc, voilà, ne pas désobéir. Je préfère prier à la maison comme Dieu est partout là. Vous voyez. Voilà. Ou bien, vous, qu'en pensez-vous? Moi, le problème que j'ai avec ces gens, c'est qu'ils sont allés là-bas pour tout casser, tout renverser, manifester la violence. Non. Ah, ce sont les choses qui ne réglent rien. C'est comme s'ils avaient même perdu leur raison là. Quand ils ont commencé à tout casser là. C'est comme s'ils avaient maintenant perdu leur raison. Ta femme va là-bas, ça ne les plaît pas. Ah, pas ta femme tranquillement, viens à la maison, c'est ta propriété, non? Ah, tu n'as pas payé sa dette. Tu n'as pas payé sa dette. Tu n'as pas payé sa dette. C'est ta propriété, non? Ou bien, c'est quelle histoire-ci? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos à faire. Hein. Donc, qu'on reste connecté. Ah là là, je n'ai pas encore dormi, mais il faut que je sois fort pour vous montrer les vraies choses, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Il faut rester debout. Il faut rester debout. Que Dieu me donne la force. Priez pour moi. Hein. Priez pour moi maintenant. Priez de combat. Priez de combat. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.